Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2023, il est 22h21. Et il y a seulement quelques minutes, je viens de trouver, enfin en phase 3, Voltorb Shiny. Incroyable, j'ai tout vu en plus. Très très contente, j'ai pas loupé l'apparition, ça c'est vraiment chouette. Voilà, je suis un petit peu soulagée que ce soit lui qui déboule en fait. Parce que j'ai chopé précédemment deux piafs avec et j'avais un petit peu peur de me faire troller une troisième fois. Alors sur l'Earth God, j'étais toujours sur mon petit Caninos cornèbre, sur mon Arbok, sur ma Soul Silver. Arbok, voilà, en 100% sur la route 10. Petit Arbok qui se fait attendre. Et sur la Verfeuille, toujours le petit sac de nœuds en cours aussi. Alors, petit Voltorb Shiny, très contente, j'avais prévu de le faire sur 3G depuis un moment. Et voilà, je profite de cette NRT à Kanto pour moi de le chasser, donc voilà, cool, on va tout de suite procéder à la capture. Alors, on va faire ça avec une Super Ball, parce que du coup, j'ai pas grand choix et elle lui va très très bien. Nickel. Je vais regarder si j'avais quelque chose pour l'affaiblir, mais j'ai rien. Yes, deuxième bol, il est rentré. Ça, c'est vraiment trop trop bien. Alors le chiffre c'est 2498, c'est la même version que Piaf avec, donc depuis Piaf avec, voilà, j'étais à 2498 et on va avoir droit à la transition. Oh là là, incroyable. Ouais, j'ai un petit surnom. Ça veut dire boule en japonais. Et voilà, let's go, on va sauvegarder. Je vais pouvoir quitter cette route 10. Alors, le seul petit regret que j'ai, c'est de ne pas avoir trouvé le petit abo shiny à 25%, parce que j'aurais bien aimé le tomber en indésirable. Mais voilà, très contente, j'ai enfin mon Voltorb Shiny 3G. Et ça, c'est juste génial. Une dernière sauvegarde, et on va aller découvrir sa nature tout de suite. Moi je vais dire timide comme d'hab. Hop. Il est là. Et il est de nature. Sérieux. Oh là là, le cadre bleu sion avec le bleu électrique du Voltorb. C'est incroyable. Ah, c'est le Pokémon numéro 100 en plus. C'est trop stylé. Allez, on va le faire briller. Let's go. Ah bah contre notre Voltorb. Il est incroyable. Avec son œil là qui est en mode vénère. Il est somptueux.
J'ai un peu du mal à croire que je viens de le trouver. Voilà, ça fait comme ma vidéo, un piaf avec. J'avais que des piaf avec, j'ai que des Voltorb là. Waouh! C'est impossible. Laisse-moi fuir. Voilà. C'est trop génial. Ah, c'est full Voltorb. Bon, mission de sortie. Ils viennent défaire dans le shiny, sauf que ça y est. Il est en ma possession. Vous êtes obligé de laisser votre ami à mes soins. C'est quoi ces RNG que j'ai, moi? C'est des trucs de troll. Quoi. Que des Voltorb maintenant. Bon, il est à 40% quand même. Ok. Il est vraiment magnifique. Son bleu est vraiment particulier. Je sais pas s'il y a un autre shiny qui possède cette couleur-là, mais bon, à part peut-être Electrode. Et encore, je sais pas si Electrode a exactement le même bleu. Couleur incroyable. Voilà, Abou qui était aussi une de mes cibles. Oh. Quel BG. Je sais pas ce que je vais faire maintenant sur cette route. Je vais réfléchir un petit peu. Sur cette route, sur cette version. Alors, on va aller voir les deux autres piafs avec, ils doivent être du coup dans ma boîte PC. On va aller leur faire un petit coucou. Voilà, ils sont là. Jiraki et Martin. Trop bien. Trop trop bien. Je vais vous laisser sur le résumé de ce Pokémon qui est sérieux. Petit Voltorb Shiny, incroyable BG de la 3G en Shiny. Voilà, bien contente d'avoir fini cette recherche. Et voilà, très contente d'avoir pu chasser ce Pokémon sur 3G. C'est une belle route, hein. C'est une très très belle route. Hein. En plus, j'avais pas Piafabec, donc ça m'a donné l'occasion d'avoir maintenant Piafabec. Et voilà, la cible qui tombe ce soir, c'est juste insane. Voilà, je vais vous faire laisser sur ces petites images. Je vous fais à tous des bisous, chassez bien et que les étoiles soient avec vous. Ciao!